Salut les amateurs de roues, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait quelques années que je partage mes aventures d'enduro sur YouTube et malheureusement, il fallait que ça arrive, j'ai cassé ma moto. Là, je suis sur un gros chantier pour la réparer, je t'invite à aller voir la playlist qui se trouve juste ici, qui contient des vidéos où tu pourras savoir comment je l'ai cassée et comment surtout je la répare. Donc, pour ceux qui ont suivi dans la précédente vidéo, on a remonté le moteur et là on va s'attaquer à la partie cycle. C'est une grosse étape qui a pris plus de temps que prévu car j'ai changé une grosse partie des consommables de la moto et vu que je peux travailler dessus environ une fois par mois, mais ça a pas mal traîné. J'ai filmé le maximum de choses possibles mais c'était pas évident de filmer et bricoler en même temps. J'espère quand même que les images vont te plaire et que tu vas laisser un pouce bleu sur la vidéo. Avant de commencer, je voulais te dire que toutes les pièces, je les ai trouvées sur le site motocrosscenter.com. Si comme moi, tu retapes ta gaz-gaz, ben, je t'invite à aller faire un tour sur ce site car on y trouve toutes les pièces à un bon prix. Et en plus, tu peux profiter du code promo A2R qui t'offre 10% de réduction. C'est cadeau. Allez, c'est parti. J'ai profité d'avoir posé le moteur et enlevé le bras oscillant pour refaire le support de béquille et repeindre le cadre. Là, c'est la fixation de la béquille. Ici, on a un point d'ancrage qui est pas mal. Et là, c'est celui qui s'était pété. Normalement, il y a une espèce de patte qui fait comme ça. C'est pour ça que j'avais perdu la béquille. Et bien, je vais essayer de trouver quelqu'un qui puisse me souder quelque chose pour que tout ça tienne ici. J'attends d'avoir la béquille qui est soudée, qui est bien en place pour pouvoir en fait repeindre une partie du cadre. Car comme on peut le voir, il y a des endroits où le sabot a frotté contre le cadre et la peinture est partie. Donc là, bon, c'est un peu noir dégueulasse, il y a des coulures, c'est tout simplement parce que j'ai mis une sorte de protection du Rustol, si je dis pas de bêtises, comme sous-couche, pour éviter que ça se dégrade encore plus. Et donc je vais refaire ça proprement et repeindre un peu tout ça de la même couleur. Mais j'attends quand même avant ça d'avoir la béquille bien fixée, bien soudée. Le mécano du village m'a soudé ce support de béquille proprement et j'espère vraiment que ça va tenir dans le temps. On peut maintenant passer à l'atelier peinture. Et c'est là que j'ai compris que la peinture, il faut soit bien la faire, soit pas la faire du tout. J'ai repeint que certaines parties du cadre et j'avais peur qu'on voit la différence avec la peinture d'origine. Au final, le résultat est très correct et je trouve ça propre. Le seul et gros problème, c'est que j'ai peint à la bombe et que la peinture commence déjà à s'effriter. Je pense que ça tiendra pas dans le temps et que du coup, ça aura servi à rien. Le mieux aurait été de repeindre tout le cadre à la peinture époxy, mais c'est pas le même budget. Bon, mais c'est pas grave, tant pis. Étape suivante, changement des consommables. Et comme c'est mieux de travailler sur du matériel propre, j'ai pris ma meilleure amie, la brosse à dents, pour nettoyer tout ça. Allez, on s'attaque au changement des roulements de bras oscillants que j'avais jamais changé parce que j'avais jamais constaté de jeu. Du coup, ils étaient bien grippés, c'était vraiment galère de les sortir. Ça s'est fait petit à petit en essayant de les dégripper avec le WD-40, mais surtout en forçant comme un débile avec l'étau. Les roulements des billettes y sont également passés. C'est la pièce qui relie l'amortisseur arrière au bras oscillant et ça m'embêtait un peu d'y toucher parce que c'est assez chiadé, mais finalement, en s'aidant des vues éclatées, c'est faisable.
Pour remonter les roulements, c'est la même technique que pour les démonter avec l'étau, mais à l'envers. Et petite astuce, c'est encore plus simple, c'est juste avant de les remonter, vous mettez vos roulements au congélateur. Et évidemment, les kits de roulement, je les ai pris sur Motocross Center parce que c'est bien pratique de trouver des kits qui contiennent tous les roulements, les bagues et les joints neufs. Il y a aussi eu plein de petites opérations qui sont pas forcément visibles. C'est des détails, mais j'avais profité pour les changer, que ce soit les contacteurs de feu de stop, les purges des mètres-cylindres des freins ou de l'embrayage, ou bien le redressement de la boucle arrière. Alors pourquoi j'ai enlevé la bavette, les caches de la boîte à air? Déjà, c'est pour nettoyer un peu tout ça parce que c'est dégueulasse. On a aussi nettoyé l'intérieur de la boîte arrière pour pouvoir travailler proprement. Et donc voilà, le but de tout ça, c'est de redresser la boucle arrière. Je crois que tous les problèmes de cette moto, je les ai eus dès le début où j'ai eu cette moto. J'avais fait un petit backflip et bien la boucle arrière s'était tordue. On voit que c'est pas au même niveau les deux. Et je vais essayer de redresser tout ça. Alors on m'a conseillé, vu que c'est une boucle arrière en alu, on m'a conseillé de faire chauffer l'alu et de tordre doucement parce que ça risque de péter, ça me ferait chier que ça pète. J'avais également la roue avant qui était voilée, le cerclage avait reçu pas mal de pets, je sais pas si vous allez pouvoir le voir sur la vidéo. J'ai réussi à trouver d'occasion une roue avant complète dans un meilleur état et à un bon prix. Donc changement des roulements sur cette nouvelle roue et transfert des disques et pneus de l'ancienne sur la nouvelle. Et maintenant, j'ai enfin une roue avant qui tourne rond. Pour la roue arrière, c'est un peu le même tarif, changement des roulements et aussi j'en ai profité pour changer le kit chaîne. Donc transmission toute neuve avec un nouveau pignon de sortie de boîte, une nouvelle couronne et une nouvelle chaîne. Et voilà, on se retrouve avec une partie cycle comme neuve. Il reste la vidange de boîte du moteur, le changement du filtre à air. Et aller rouler pour roder tout ça et vérifier que tout fonctionne parfaitement. Mais ça, je vous le réserve pour le prochain épisode. En attendant, je vous dis à la prochaine et bon ride !